Bienvenue à la deuxième rencontre de la communauté de pratique en informatique. L'ordre du jour est dans le document collaboratif. Le lien est dans le clavardage. Donc, on va débuter avec le suivi. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'aller voir ou revoir l'enregistrement de la première rencontre. Donc, ça a été mis sur le site des après-cours environ une semaine après la rencontre. J'ai relevé quelques points par rapport au suivi. Donc, il y avait le dossier pour partager des documents parce qu'on a réorganisé un petit peu. Donc, on va revenir là-dessus. On a fait une mise à jour aussi lors de la première rencontre. On a fait rapidement un tableau. Le tableau était dans le document collaboratif. J'ai préféré le déplacer dans un autre document parce que le document collaboratif, c'est nos notes de rencontre. Puis avec le temps, on va avoir beaucoup de notes finalement, puis ça va être plus difficile d'aller chercher. Bien, bonjour Stéphanie, je suis contente de te voir. Bonjour. Donc, on va avoir beaucoup de notes de rencontre, donc ça va être difficile de consulter le tableau. Ça que j'ai mis dans un autre document, mais j'ai refait un deuxième tableau aussi parce que je m'étais dit que si, je ne sais pas si vous avez consulté un peu le tableau, quelqu'un qui dit par exemple, moi je veux faire le cours INF 5078, je vais aller voir quelle commission scolaire l'offre, quel matériel utilise, c'est difficile d'aller consulter. Donc j'ai refait un autre tableau où la première colonne, ce sont les cas de cours. Donc à ce moment-là, si vous pouvez aller ajouter ce que vous donnez ou le matériel que vous utilisez par cas de cours dans le document, ça va être plus simple à faire comme ça. On va revenir aussi sur le cas d'élèves qui sont inscrits en secondaire 5 mais n'ont pas les bases en informatique. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Ensuite, on va voir les points de Véronique. Donc, quelques points. Si vous avez des questions aussi à poser, vous pouvez les ajouter dans le document. Donc, n'hésitez pas à écrire là. Et ensuite, les points, d'autres points à discuter. Il y a des points que Marie-Josée a ajoutés, puis j'en ai ajouté quelques autres aussi. Vous pouvez aussi aller ajouter. Là. Bonjour, Jacques-François. Donc, n'hésitez pas à aller ajouter des points aussi dans les documents. Puis d'aller ajouter, évidemment, vos présences. Donc, si vous êtes d'accord, on peut débuter. Donc, le dossier pour partager les documents, ça a été proposé par la CSVM. Je ne sais pas si il y a quelqu'un de la CSVM, il y avait... Je crois que c'était Vénus qui avait ajouté ça. Donc, on a ouvert un dossier pour mettre des documents que vous voulez partager, mais pas nécessairement des documents qu'on partage avec les élèves. Ce ne sera pas un dossier qui va être ouvert à tout le monde. Ça va être juste à nous. Donc, ça va être un endroit pour, si vous dites, ben nous, on a fait une situation d'apprentissage, j'ai pas terminé, mais on aimerait vous la partager si vous avez des idées, tout ça. Vous pouvez le mettre à cet endroit-là. Si vous voulez aussi, j'imagine que vous pouvez le faire, vous devriez avoir les droits pour créer des sous-dossiers. Parce que là, on a fait un dossier comme général, mais si vous voulez faire des sous-dossiers, par exemple, par cas de cours, ça va peut-être être plus simple de le faire aussi comme ça, si on a plein de dossiers et que ça devient difficile de le partager. Donc, si vous avez des suggestions ou des commentaires, vous m'interrompez, vous levez la main. OK. Maintenant, le tableau. Je vois que vous êtes déjà en train de compléter. C'est bien. C'est super. Donc, vous pouvez évidemment remplir les cases. Donc, la première colonne, c'est vraiment tous les cas de cours. Ensuite, sont à faire où et quand. Donc, si vous dites, nous, on est en train de travailler sur un... En cours, on prévoit commencer à offrir ce cours-là à telle date. Puis dans la dernière colonne, autre précision, si vous dites « on cherche quelqu'un pour valider, on cherche quelqu'un pour monter, il nous manque une situation d'apprentissage, on n'a pas d'idée, peu importe. » Vous pouvez écrire ça dans cette colonne-là. Dans les suivis de la rencontre précédente, on avait parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé des élèves à qui on donne des cours de secondaire 5 en informatique. Ils sont rendus au deuxième cycle et puis ils n'ont pas la base.
Ils n'ont pas la base en informatique. Ils ne savent pas ce que c'est un système d'exploitation. Ils ont de la misère à l'expliquer. C'est quoi un navigateur? Ils savent difficilement la différence entre un dossier et un fichier. Ce n'est pas une caricature. Il y a vraiment des élèves qui ont ces lacunes-là. Donc, on se demandait, est-ce qu'on donne un cours de présecondaire à un élève qui est déjà dans un secondaire 4 dans toutes ses autres matières? Est-ce qu'on fait une mise à niveau ou un cours maison? Ça, on va revenir tout à l'heure avec Véronique par rapport au cours maison. Donc, j'aimerais ça si certains se sont déjà posé cette question-là, si ils ont déjà des pistes de réflexion, de réponses, de suggestions. Donc, si je vous invite à prendre la parole. Oui, juste pour vous dire que je suis là, mais t'sais, dans le contexte où on n'a pas encore de prototypes d'épreuves qui sont sortis. Comme je le disais à Louise, je suis là, j'écoute, ça me permet de savoir comment ça se passe sur le terrain, voir les besoins. Et je veux pas que ma présence non plus vous empêche de vous exprimer. C'est tout ce que je veux vous dire. T'sais, je ne vous serai pas du tout jugée sur ce que vous disiez, sur ce que vous dites, sur ce que vous tester. Donc, juste un petit mot comme ça, je pourrais revenir tantôt sur les sigles maison, là, mais pas besoin de faire attention à, même s'il y a des façons de faire qui sont pas tout à fait celles qui seraient envisagées ou quoi que ce soit, il n'y a aucun problème dans ce qu'on se dit aujourd'hui. Moi, ça me permettra juste de savoir les besoins puis d'ajuster, connaître les éléments sur lesquels on peut soutenir aussi. Voilà. C'est ça, j'ai hâte de voir qu'est-ce que vous en pensez les autres, là, mais on est encore en discussion puis en réflexion parce que le problème il est vraiment lourd. Fait que c'est ça, j'ai hâte de voir qu'est-ce que vous en pensez les autres, là, mais on en reparlera avec Véronique par rapport au sigle maison, nous autres, on avait pensé à ça. Fait que. Regardez, je vais y aller tout de suite là-dessus, là. Ça va être fait. Je pense que ça va peut-être être plus logique comme ordre. Donc, c'est sûr que ben, je vous propose peut-être de faire les points que j'ai dans l'ordre, tant qu'à y être, là. J'ai 3 points, là. Ce sera, il y avait 3 points à l'ordre du jour. Je vais les prendre un par un. Donc, ben, il y avait, concernant les documents en partage sur le site du Carrefour, donc proposition de parcours. Donc, si on parle du document auquel je pense, en fait, ceux qui ont participé aux ateliers sur les cours du programme d'informatique qu'on a donné Alain Dumais et moi lors des rencontres RSP gestionnaire, on vous avait annoncé qu'on travaillait sur des propositions de parcours et aussi sur une progression des savoirs entre les cours pour les cours de FBC, en fait, et les cours de FBD. Donc, vraiment, tous les savoirs de tous les cours de FBC, FBD, avec un niveau là, qui est exigé pour chacun des cours par rapport à chacun des savoirs. Donc, Alain est en train de peaufiner ce document-là, de l'avancer. Il contiendra aussi des propositions de parcours. Ce seront toujours que des propositions, parce qu'il n'y a aucune hiérarchie là, entre les cours, comme c'est bien indiqué dans le programme. Donc, il n'y a rien d'obligatoire en termes de préalable ou quoi que ce soit. Mais quand même, Alain, de par son expérience, et vous aussi, j'imagine que vous avez différentes façons de faire. Peut-être que ces parcours-là, même qu'Alain suggérera, certains voudront en ajouter d'autres. Ce document-là devrait être disponible au plus tard à la fin juin. Donc, dans les documents, par contre, de l'atelier qu'on avait partagé avec Alain Dumais, il y avait déjà une ébauche, si on veut, de progression, de parcours, pardon, qui était proposé. Donc, je vais retrouver le document, là, puis je vais vous le partager également, là, mais si vous étiez là à la rencontre RSP gestionnaire, il y avait dans le document. Le PowerPoint qu'on a partagé, la proposition de parcours qu'il faisait. Puis, il va peut-être en ajouter quelques-unes aussi là, dans son document. Donc, d'ici la fin juin, puis ce document-là va être déposé, donc autant pour la progression des savoirs que pour les propositions de parcours. Ça va être sur le Carrefour, dans la section là, accompagnement sur mon site là, d'informatique qui, pour le moment, contient seulement les définitions du domaine d'évaluation. Merci. Pour ce qui est de la date
date pour la disponibilité des évaluations. Malheureusement, je ne pourrai pas vous donner de date exacte, là. C'est impossible. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'on est en bout de ligne. On est en train de réviser. Donc, c'est une dernière révision linguistique qui est effectuée. Et il y a également une étape de traduction qui doit suivre. Donc, ça, on fait au plus vite. On est même en train d'essayer là, pour accélérer le processus, de penser à fournir peut-être un certain nombre de prototypes d'abord, entre autres les plus utilisés. Donc, encore une fois, ceux qui ont participé aux ateliers sur les cours d'informatique, on vous avait montré avec Alain Dumais des statistiques par rapport à l'utilisation des cours, là, des nouveaux codes de cours. Donc, on a sorti une liste là, des cours les plus utilisés. Donc, si on est capable de sortir certains cours qui sont... on a envoyé les cours en révision linguistique et on va le faire en traduction en fonction de cette priorité-là des cours les plus donnés. Donc, si on est capable d'en sortir une première partie, ce serait les plus donnés d'abord. Donc, vous comprendrez par contre que je ne peux pas vous donner de date parce que c'est des processus après sur lesquels on n'a pas de contrôle direct. Mais on vise, c'est sûr, là, l'automne pour avoir tout sorti, les 18 cours. Mais encore une fois, après ça, des fois, il y a des éléments de notre contrôle qui font qu'on je ne peux pas donner de date exacte. Puis, je ne vous cacherai pas qu'aussi en informatique, c'est assez complexe parce qu'en plus des cahiers que vous connaissez, cahiers de l'adulte, les consignes d'administration, puis les guides de correction, il y a également des fichiers qu'on fournit à l'adulte pour faire l'épreuve et il y a également des fichiers qu'on fournit à l'enseignant. Ce sont des exemples de résultats attendus de production. Donc, c'est sûr qu'il y a plus de documents qu'habituellement et ça demande, là, quand on reçoit les commentaires de la révision linguistique et tout ça, d'être vraiment très, très vigilant là, dans toutes les répercussions que ça peut avoir dans ces documents-là. Donc, voilà. Mais c'est sûr j'ai très hâte de vous les faire parvenir. Je vais compter là-dessus. Ensuite, les sigles maison. Là, c'était à savoir si est-ce qu'il y avait une question peut-être, Louise, là, pour que je réponde le plus précisément possible. Est-ce que les codes vont rester, j'imagine? C'est tout ça dans ce sens-là? C'était par rapport à Marie-Josée, tu vois que tu fais oui. Je pense que ça venait de Marie-Josée, je vais laisser la parole. Ben, c'est parce que, tu sais, la rencontre des RSP, là, on me dit qu'il y avait au-dessus de 600 sigles maison, puis vous vouliez réduire le nombre de sigles. Fait que là, on se demandait si les sigles maison d'informatique étaient reconduits en FBD, là, ou c'était coupé. OK. Bien, c'est sûr que je ne peux pas te répondre là parce que la réflexion, comme c'était le cas à la rencontre RSP, je te dirais que je ne suis pas nécessairement non plus dans. Je dirais que je ne suis pas dans la réflexion, donc je ne connais pas les dernières nouvelles, mais je sais que c'est encore en réflexion. Donc, pour l'instant, ils sont ouverts. Ensuite, qu'est-ce qui arrivera? Tu sais, je veux dire, je ne croirais pas que tout soit fermé, là, mais peut-être qu'il va y avoir un certain ménage qui sera fait, mais je ne peux pas vous dire. Particulièrement en informatique. Ce que j'aimerais savoir, par contre, c'est est-ce que, selon vous, là, qui êtes là aujourd'hui, ils sont utiles, là, ces cours-là? Particulièrement, je comprends dans le cas peut-être d'une mise à niveau ou de besoins spécifiques. J'aimerais juste vous entendre, si on me demande mon avis là-dessus, sur ces cours-là locaux. Là, c'est que c'est ça, nous autres, là, par rapport aux difficultés des élèves dans la FBD, on donnera pas de la FBC. Fait que là, on voulait peut-être s'en aller avec un cours maison. Exemple, le 50-51 là, qu'on utilisait, puis faire notre espèce de rassembler les savoirs là. Mais là, c'est sûr que si on ne sait pas trop, est-ce qu'on le monte, on ne monte pas, on a-tu le droit de faire ça? Parce qu'il y a beaucoup de savoirs que c'est de la FBC, tu sais. C'était le questionnement qu'on avait. Puis l'autre, si, mettons, on n'avait pas le droit, ou on peut s'en aller vers une mise à niveau, augmenter un petit peu le nombre d'heures, puis donner le matériel nécessaire à l'élève? Question. Oui, bien, je vais faire un suivi là-dessus. Là. Je vais aller voir auprès de mes collègues qui vont pouvoir me fournir les réponses les plus précises possibles. Je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Donc, je vais regarder en termes de si, justement, s'il y a des programmes locaux qui restent ouverts, des codes de cours locaux, est-ce qu'il y a moyen de faire une espèce de mise à niveau, mais qui est plus ce que je comprends avec des savoirs de la FBC? C'est-tu
quelque chose qui se fait. Ouais, qu'on regrouperait, là. Ouais. Qu'on regroupe, là. Puis sinon, ton autre option, c'était quoi, là? Rappelle-moi juste, tu disais sinon. Ben, parce que là, vous. Une mise à niveau, tu sais, augmenter là, un cycle d'informatique pour lui donner le matériel nécessaire là, pour bien comprendre. Là. OK. Fait que ça, je vais explorer ça. Puis ben, au prochain après-cours, là, je vais vous revenir avec une réponse précise là-dessus. Eh bien, merci. Avant, si je suis capable, par Louise ou par toi, un jour. Parfait. OK. Merci. Je voulais juste demander si de prendre des notes, parce que moi, je ne peux pas écrire. Je ne peux pas prendre mes notes dans le document collaboratif parce que vous allez m'entendre tout le temps taper à l'ordi parce que je dois laisser mon micro ouvert, évidemment. Donc, si je n'ouvre pas pour aller écrire les notes, parce que moi, comme c'est là, je n'écris rien. Donc, si vous voulez garder des traces, c'est certain que la rencontre est enregistrée, mais des fois, c'est plus simple aussi de les avoir écrites. Je voulais dire aussi au niveau de la mise à niveau avec le cours qui a été monté, INF 5067, on a fait un genre de petit préalable. Ce qui peut être fait aussi, c'est qu'au début de chacun des cours, il y a quelques heures de préalable, en fait, plutôt que de faire un cours de préalable pour tous les cours. Mais quand l'élève arrive, par exemple, dans un cours de traitement de texte, mais il y a des préalables pour ce cours-là. C'est certain que si l'élève, c'est des connaissances plus générales, comme enregistrer, imprimer ou les fichiers, les dossiers, tout ça, si c'est ça qui lui manque, bien là, c'est vraiment plus la base. Là, il va falloir le voir ça pour tous les cours, on n'aura pas le choix. Donc, s'il y en a d'autres qui veulent intervenir là, par rapport à ce qu'il y avait ici, il y a déjà des réflexions qui ont été faites par rapport à ça. Là. Ça va, il n'y a pas de commentaires là-dessus, donc on va passer aux points à discuter. Est-ce qu'il y avait d'autres points? Là, je revenais aussi au début, là, est-ce qu'il y avait d'autres points en suivi de la première rencontre? Ceux qui étaient à la première rencontre, si vous avez des choses à ajouter par rapport à ça. Sinon, on va prendre les points à discuter. C'est beau? Fait que c'est à mon tour? Oui! Vas-y, Marie-Josée. Bon. Le premier point, c'est la création d'un comité pour la validation de nos évaluations. C'est que j'ai mis ça parce que on se questionne justement. Nous autres, on a créé des évaluations, puis est-ce qu'on on se pose la question, est-ce qu'on est trop dirigé ou, tu sais, on n'est pas trop sûr. Fait que c'est sûr, ce serait le fun d'avoir le point de vue de quelqu'un d'autre à l'extérieur. Fait que là, je n'ai parlé avec Louise tantôt, puis elle dit que ce serait peut-être le fun qu'on se crée un comité, qu'on regroupe nos épreuves, qu'on n'enregistre pas ça, là, puis qu'on puisse discuter de tous les questionnements qu'on a par rapport à ça. On se demandait si ça vous intéressait d'embarquer dans ce petit comité-là pour qu'on valide nos choses ensemble. Et, j'imagine qu'il y en a plusieurs d'entre vous là, qui en font des évaluations présentement, puis est-ce que vous voulez partager? Est-ce que ça va bien? Est-ce que vous vous sentez super à l'aise dans les tâches que vous faites? Parce que nous autres, on travaille fort, puis on se questionne, puis on se re-questionne, puis on pensait qu'on était, c'était correct. Puis là, la semaine passée, là, on en est venu, là, je pense qu'on est trop dirigé, tu sais, fait que c'est ça. Fait qu'on voulait voir avec s'il y avait d'autres personnes, là, à moins que vous soyez toutes parfaites, là. Oui, avec Claudine qui voulait intervenir. Puis je pense que Stéphanie aussi qui a levé la main dans son écran. Je ne sais pas comment ça marche. OK. Je trouve que c'est une très bonne proposition, Marie-Josée, de faire une vérification des épreuves. Nous, ici, on n'est pas rendu à la création, mais si on est capable de porter un regard critique puis d'aider à faire cheminer les choses, ça serait vraiment génial. Il y a eu la même proposition dans la communauté de mathématiques ou de sciences, je ne me souviens plus laquelle, mais je pense qu'on s'en va en tant que groupe FGA, beaucoup vers de l'entraide au niveau où on est capable de l'apporter. Fait que moi, dans ma région, c'est des petits centres. On n'a vraiment pas de temps d'allouer pour faire de la création, mais si on peut au moins apporter un regard critique, mais je pense que ça, on serait très à l'aise de le faire. Avec un groupe qui serait ouvert, ce serait génial. Ah, cool. Okay. Je vais laisser la parole à Stéphanie.
C'est juste pour dire que moi aussi, je pense que je suis souvent trop dirigée dans mes évaluations et je pense qu'avec Louise Roy, elle nous a permis de travailler là-dessus, tout ça, parce qu'on a fait une en 50-83. Et je pense que ça serait intéressant parce que oui, effectivement, nous autres aussi, j'ai plus tendance à être très dirigée dans mes évaluations. Donc, je pense que ça serait important d'avoir un autre regard et sortir de… parce que nous, on est bien imprégnés dans notre document, mais d'avoir un regard extérieur, ça fait toujours du bien et ça permet d'améliorer notre évaluation, en fait. Super. Il y avait Floriane aussi qui voulait intervenir. Oui, ben chez nous, on n'a pas encore commencé le nouveau programme en informatique, là, parce que c'est les mêmes profs qui font maths, sciences et informatique. Fait que je vous dirais que présentement, là, c'est les maths et les sciences qui sont beaucoup travaillées. Mais je trouve que c'est une excellente idée parce que c'est vrai qu'on se questionne souvent à savoir est-ce qu'on est correct, est-ce qu'on dirige trop comme Marie-Josée disait, ou si on est à côté de la traque. En tout cas, je trouve que c'est quand même une bonne idée. Merci. Anthony? Oui, ben nous, en fait, on a des profs dans notre commission scolaire qui ont commencé à travailler sur des évaluations en 50-67, entre autres. Là, je l'ai vu l'évaluation, mais en effet, ça serait. On attendait en fait un peu de voir les prototypes de preuves pour se faire une idée. Là. Mais je sais que notre prof de l'autre centre qui a fait l'évaluation 50-67, il les a testés. Il disait que ça se passait bien, là, mais c'est sûr que on est dans le même bateau tout le monde. Là, on a tous conçu des documents sans trop savoir vers où on s'en allait. Sinon, on a travaillé pas mal dans des cycles un peu plus multimédia comme le dessin. Par exemple, dessin 3D, dessin vectoriel. Le seul problème, qu'on a découvert cette année, c'est que nous, au début, on l'a administré comme les vieux SIG 50, 64, 65, 66, c'est-à-dire qu'on fonctionnait par projet. Mais là, quand les DDI sont sortis, on s'est rendu compte que ça devait être, défini dans le temps, comme une période de 2-3 heures, je pense que c'est 3 heures. Mais ça, on trouvait que ça causait problème, surtout pour les sigles. Par exemple, faire un site web, on vous a dit que faire un site web en 3 heures, ça va être difficile. Même chose, dessin 3D, puis dessin vectoriel peut-être, là. Mais bon, on s'est fait dire cette année qu'on n'était pas nécessairement obligé d'aller dans la salle de test, là, mais il fallait que ça soit vraiment limité dans le temps. Fait qu'on est dans toutes ces interrogations-là. Je ne sais pas jusqu'à quel point on était. On n'a pas l'air trop illégal, là, mais bref, c'est là où on en est. Là. Puis évidemment, comme tout le monde, étant donné que la priorité est plus sur les maths et les sciences dans nos centres, on n'a pas mis tant de temps que ça là-dessus cette année. OK, merci Anthony. C'est vrai que ça soulève plein de questions là, comme par rapport justement à où on fait passer l'évaluation. Est-ce qu'on donne accès à Internet ou pas? Il y a la confidentialité des épreuves à ce moment-là, des évaluations qui peut causer problème si on donne accès à Internet pendant l'évaluation, puis en salle de test aussi, avoir accès à Internet en salle de test, des fois ça peut être un peu difficile pour la surveillance. Donc, c'est toutes des interrogations comme ça, puis on est face à ça, puis on ne sait pas trop comment réagir. Marie-Josée? Ben juste pour le point là, du comité, là, parce que tu sais, si j'ai pris les noms, là, Claudine, Stéphanie, Floriane, Anthony, est-ce que je peux considérer que si on se crée quelque chose, même si vous n'avez pas produit, vous pouvez regarder nos évaluations, puis dans le fond, on va partager éventuellement, vous allez produire, j'imagine aussi, là, mais on pourrait se recommuniquer là-dessus, ça veut dire? Ça s'en a l'air, oui, OK. Parfait. On s'en va-tu avec l'autre point, justement? Louise, on a commencé. Pour la confidentialité des évaluations. Si quelqu'un a une évaluation, oui, ce qu'on pourrait faire, c'est si quelqu'un a une évaluation, ouais, qui pourrait les déposer dans le dossier, le partage de documents, comment l'appeler, le petit dossier, ben, c'est ça, partage de documents.
qu'on pourrait faire un sous-dossier, en fait, qui s'appelle évaluation. Sauf qu'il faudrait mettre les... Tu sais, on n'ira pas voir à chaque fois. Il faudrait dire, bon, OK, je viens de faire une évaluation, j'aimerais que quelqu'un la regarde, puis qu'on en discute ensemble. Et à ce moment-là, quand on a deux, trois évaluations, on prend le temps, on dit, OK, tout le monde a le temps de les regarder, puis on se donne un rendez-vous en visioconférence. On pourrait fonctionner un peu comme ça. On le dépose là, on prévient les autres qu'on a déposé une évaluation, si vous avez le temps de la regarder, puis voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, s'il y a une autre façon de procéder? Ça va? Donc, on va regarder ça ensemble, là, Marie-Josée et moi. On va, après ça, envoyer en fait une note à tout le monde. De toute façon, ça va être dans le compte-rendu de la rencontre aussi. Donc, tout le monde pourrait déposer des évaluations. C'est certain que si vous n'avez pas le temps de regarder ceux des autres, si vous ne voulez pas vous engager là-dedans parce que vous ne vous sentez pas assez, assez solide là-dedans, donc peut-être que vous ne voulez pas porter jugement sur les autres évaluations, mais vous voulez faire regarder les vôtres, ça peut être intéressant. Ou si vous voulez, vous en créez pas, mais vous êtes d'accord à regarder ceux des autres, ça peut aussi être intéressant. Vous n'êtes pas obligé de créer des évaluations pour valider les évaluations des autres. Ça va? On était rendu au prochain point. La confidentialité, oui, ça, c'était peut-être pas, on n'a peut-être pas été assez loin là-dessus aussi par rapport à, en fait, qui Mais fait c'est les ça, examens c'est... en salle ou, ouais. Mais vas-y, Marie-Josée. Ben moi, j'avais mis ce point-là parce que présentement, avant, dans l'ancien programme, on faisait les examens en salle de classe. Puis là, depuis qu'on a les nouveaux sigles, on a fait le, on s'en va en salle d'examen. Puis là, ben ils ont accès à Internet. C'est les capsules, ils vont chercher leur aide sur Internet. Mais, tu sais, la confidentialité des épreuves, c'est un petit peu touché parce que, exemple, on avait une élève dans 50, 67 ou 68, là, je ne me rappelle pas. Puis elle avait tellement peur de perdre son examen qu'elle est allée mettre ça sur son drive. Fait que là, c'est sûr qu'on a fait une revue avec elle, mais tu sais, il n'y a rien qui empêche que l'élève s'envoie l'examen par courriel ou peu importe quoi. Là. Fait que je me demandais, c'était quoi, est-ce que vous êtes questionné par rapport à ce point-là? Parce que nous autres, on a décidé de continuer on ne peut pas bien resserrer. Si l'élève décide de se l'envoyer par courriel, c'est un peu difficile de savoir. Mais je ne sais pas où vous en êtes rendu là-dessus. Véronique, est-ce que c'est possible d'avoir des genres de consignes un petit peu plus claires au niveau de la confidentialité, de permettre Internet ou pas pour les évaluations? Puis comment procéder quand l'élève a le droit à Internet puis il faut quand même garder la confidentialité de l'examen? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, bien ça, c'est sûr qu'avec les prototypes qui vont sortir là, dans les consignes administratives, puis dans les consignes qu'on donne à l'adulte aussi, il y a des indications assez claires. Je vais juste regarder avec mes consultants là, d'informatique là, pour vous revenir aussi là-dessus, avec Alain aussi, là, Alain Dumais qui a beaucoup d'expérience sur le terrain, là, vous arrivez avec une réponse bien claire. Là-dessus. Encore une fois, d'ici à la prochaine rencontre, c'est certain. Merci, Véronique. On te donne du travail, finalement. Ben non, mais c'est parfait, c'est super, c'est ça, je vais me sentir bien utile, puis je vais vous outiller le plus possible, mais en même temps, je sais à peu près comment c'est libellé, là, mais bon, c'est pas encore officiellement sorti, là. Comme je vous dis, on est encore dans la révision linguistique, tout ça, mais en termes de... vraiment de confidentialité, l'accès à Internet, tout ça. C'est sûr là, qu'il y a l'accès à Internet, là, oui, pour toutes sortes de raisons, des fois pour aller chercher des images, on s'entend quand il y a la construction d'un site web, mais en même temps, je surfe sur autre chose, mais les prototypes qu'on va fournir, ceux qui ont assisté à la rencontre au RSP gestionnaire, c'est des prototypes ou c'est des épreuves aléatoires aussi, qu'on peut aléatoiriser, c'est-à-dire que l'enseignant va pouvoir, pour chacun des adultes, dans le cahier de charge, finalement, cocher certains éléments qui vont faire que chaque épreuve va être unique
quand même. Donc, c'est pas des réponses, on n'a pas des réponses qui peuvent être plagiées, là, si on veut. C'est vraiment une production qui va être unique pour chaque adulte. Donc, c'est sûr que le fait que ces épreuves-là soient aléatorisées, ça amène vraiment une multitude de possibilités de formes d'épreuves qui permettent d'éviter d'une certaine façon le plagiat et d'utiliser une même épreuve aussi avec vraiment plusieurs adultes. Mais au-delà de ça, pour tout ce qui est l'aspect là, technique, puis aussi j'ai noté là, la salle de classe, tout ça, où est-ce que l'évaluation doit être passée. Je vais essayer de vous revenir aussi avec des indications le plus claires possible avec mes consultants, m'assurer de notre vision là-dedans pour la transmettre. La semaine prochaine, la prochaine rencontre en fait, c'est pas la semaine prochaine, la prochaine rencontre de la communauté. Puis je comprends, c'est toutes des bonnes questions. Je me fais un devoir de vous revenir là-dessus bien clairement la prochaine fois. Merci. Puis c'est certain aussi que quand on fait des évaluations très dirigées, c'est plus facile à plagier que si c'est une évaluation de compétences. Là, à ce moment-là, ça devient même l'accès Internet, finalement, ne va pas vraiment aider l'élève parce qu'il doit démontrer des compétences. Puis, c'est pas comme dire, OK, comment on fait pour tel truc? Donc, déjà, on a moins de possibilités de plagier quand l'évaluation est faite en conséquence. Est-ce qu'il y avait d'autres points, d'autres interventions au sujet des évaluations? On va passer au point. Bon, j'ai mis des points. Je ne sais pas s'il y en a qui ont d'autres points ou dans quel ordre on les met. J'avais mis séquence de cours selon le profil de l'élève. J'ai mis en lien, si tu me permets, je ne t'ai pas demandé la permission, Jean-François, mais j'ai pris ton exemple à la CSPN qui ont des profils, un profil cégep, profil multimédia. Là, tu me corrigeras si ce n'est pas tout à fait ça, mais en fait, comme deux profils à mettre à l'élève. Donc, en fait, je ne sais pas si tu veux expliquer, Jean-François, par rapport à ce profil-là. Donc, effectivement, je ne sais pas si c'est le tableau que je t'avais partagé que tu t'as mis en lien. L'image, ouais. Nous, dans le fond, c'est qu'on veut offrir. Okay. Donc, on veut offrir toute la séquence bureautique, là, dans le fond, 50, 67, 68, 69 et 70, avec le 78. Qu'on donne déjà, dans le fond, à une clientèle qui va peut-être avoir les intérêts plus de la bureautique, mais aussi qui va être destinée plus au collégial. Ça ne les empêche pas, dans le fond, c'est que nous, on veut faire deux blocs. C'est dans le fond, quand ils arrivent, on décide du profil. C'est soit qu'ils vont faire le profil multimédia, qui est une séquence, ou le profil bureautique, dans le fond, parce qu'on pense que chacun des cours est complémentaire. Puis, dans le fond, c'est ça. Sur le côté multimédia, on a décidé de donner quatre cours, dans le fond, qui sont 50, 75, 80, 83 et 79. Dans le fond, sur ça, il y en a déjà trois qu'on donne. On donne présentement le 50, 83, le 50, 80, puis le 50, 79, c'est d'ici deux semaines qu'on devrait avoir des élèves qui sont en essai. Super. Voilà. Puis je pense que c'est un avantage quand l'élève s'inscrit, puis que là, le conseiller, puis là, il dit j'ai besoin d'informatique ou de crédit supplémentaire au niveau des ceux qui font le profil des cours, là, les conseillers en information scolaire ou ceux qui font le profil. Au lieu de dire je peux te donner tel cours, puis là, ça finit avec des élèves arrivent avec des séquences de cours différentes, d'une personne à l'autre, finalement, parce que là, c'est soit tel bloc, soit tel bloc, puis comme ça, dans ce cas-là, la tête, puis c'est plus clair pour tout le monde aussi. Hein. Ça peut être plus simple pour les personnes qui font les profils, plutôt que d'y aller à la pige. Au moins, il y a comme un fil conducteur là, dans la séquence de cours qu'on va offrir à l'élève. Là, ici, j'inviterais, je ne sais pas si c'est toujours là, Cyril. L'utilité de relier les cours d'informatique avec d'autres disciplines. Donc, à Laval, il y a un projet pour le cours d'Excel qui est relié vraiment très précisément au programme de mathématiques. Donc, j'inviterais Cyril à prendre la parole, si toujours à l'écoute. Parfait.
Alors, c'est ça, oui, à Laval, dans un effort, en fait, au niveau des cours qu'on va partager entre les différentes commissions scolaires, nous, on a comme pris ici le développement plus du cours d'Excel, le premier, mais en utilisant se donnant comme but que l'Excel permettrait de mieux comprendre certains concepts de mathématiques. Donc le principe, en tout cas le modèle qu'on s'est donné, c'est qu'un élève soit en secondaire 3, en secondaire 4 ou en secondaire 5, lorsqu'il décide de prendre, mettons, ce cours d'informatique-là, il va y trouver des éléments qui vont lui permettre de mieux comprendre certains concepts qu'il va étudier à son niveau. Donc, c'est sûr que ça nous demande de regarder les besoins de chaque secondaire et de trouver des activités qui permettent à l'élève de pratiquer certains concepts de mathématiques tout en apprenant les concepts qui sont prescrits au niveau du cours d'Excel. Donc c'est sûr, ça nous demande un peu c'est un peu plus long là en tant que tel à développer, mais on pense que ça fera une différence parce que justement l'utilité est comme évidente étant donné que les concepts de mathématiques sont là, ce qui fait que Excel illustre ces concepts-là et en même temps, on illustre la puissance des outils mathématiques pour traiter, que ce soit beaucoup de données en statistique ou d'autres concepts mathématiques. Donc, c'est un peu l'idée. Actuellement, on va avoir comme 5 rencontres d'une journée pour développer. On s'est donné comme 3 situations d'apprentissage qui vont couvrir les concepts du cours 50-69. Puis, on verra un peu ce que ça donne. Et en fonction de ça, on pourra bonifier et poursuivre pour le cycle de cours suivant. Donc, c'est un peu l'idée de départ en arrière. Donc, c'est ça. Merci, Cyril. Je vais ressortir un petit peu avec le dernier point, qui sont les enseignants d'informatique dans vos centres. Parce que si les enseignants d'informatique sont aussi les enseignants de mathématiques et de sciences, ça va bien se passer avec le cours d'Excel. Où il doit faire des calculs, soit trigonométriques ou autre. Mais si c'est un enseignant de français qui a aussi l'informatique, puis qu'il n'y a peut-être pas une bonne relation avec les mathématiques, donc ça risque d'être peut-être un peu plus compliqué. Là. Donc je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent intervenir à ce sujet-là. Peut-être je peux prendre un peu la suite. Dans un sens, on s'est dit que les enseignants d'informatique qui allaient donner le cours, étant donné qu'il y a du contenu en mathématiques, il allait falloir qu'il y ait un certain lien entre l'enseignant d'informatique, peu importe sa matière de prédilection, sa matière de base. Et il allait avoir un lien avec les enseignants de mathématiques ou les équipes en mathématiques pour essayer de synchroniser au mieux ce que l'élève fait en mathématiques et ce qu'il devra faire dans son cours d'informatique. Donc, c'est sûr qu'il y a en arrière de ça, il y a la nécessité de créer des liens justement entre les enseignants d'informatique et les enseignants de mathématiques. Quand il s'avère que c'est les mêmes, quand un enseignant de maths donne le cours d'informatique, ben là c'est plus facile. Mais si c'est un enseignant d'une autre matière, ben là justement, il va falloir qu'il y ait des liens qui se créent. Et c'est sûr que ça va demander un effort, je dirais, de part et d'autre. Donc, mais c'est un peu l'enjeu de tout ça, là, c'est de créer des ponts entre les matières, puis de faire en sorte que les matières s'enrichissent les unes des autres. Merci. Donc, dans vos centres, je vais continuer quand même avec ma question. Est-ce que ce sont principalement les enseignants d'informatique que c'est leur matière? Ou ce sont des enseignants de mathématiques à qui on donne informatique ou des enseignants de matière, là, ce n'est pas des enseignants de français ou anglais.
Si vous voulez intervenir, juste dire, vous pouvez prendre l'outil crayon, je pense, l'outil texte, puis écrire aussi sur le tableau blanc, ou l'écrire dans le document collaboratif, ou l'écrire dans le clavardage, si vous préférez me reparler. Juste un petit mot là, pour revenir sur ce que Cyril disait. Bien, je trouve que c'est des initiatives très intéressantes là, de pouvoir jumeler les cours d'informatique. On a beaucoup de cours, donc certains peuvent justement être liés à des disciplines. Là, c'est un exemple avec mathématiques qui est vraiment intéressant. En tout cas, moi, je suis contente de savoir qu'il y a des initiatives de cet ordre-là. Puis, ben, j'aimerais ça suivre le résultat de ça aussi, si jamais il y a quelque chose qui en sort, à savoir comment ça se passe. Puis, est-ce qu'il y aurait moyen aussi d'élargir cette façon de faire-là à d'autres disciplines aussi, là? Je pense qu'on a intérêt beaucoup pour les adultes à travailler de cette façon-là, en même temps que de les outiller dans leur discipline, de leur permettre de développer leurs compétences numériques. En tout cas, ça me semble une bonne avenue à travailler, mais je suis consciente que ça doit demander énormément de travail là, et d'arrimage entre les enseignants. Mais voilà, je suis bien contente d'entendre des initiatives comme celle-là. Merci. Passer la parole à Anthony. Oui, nous, chez nous, ben, il y a 2 ans, on avait une réflexion à ce sujet-là. On avait vu quand même pas mal d'opportunités, même que ce soit en sciences ou en français. Par exemple, le cours présentation assistée, ben, il y avait des profs à notre centre qui demandaient vraiment à chaque exposé oral que l'élève ait préparé une présentation PowerPoint. Puis, c'est ça, là, on considérait que ça aurait pu être exploité plus, donc que les élèves auraient pu avoir des unités pour ce travail-là, parce que même à un certain moment donné, ils mettaient vraiment beaucoup de temps sur leur présentation. Bon, le problème, c'est que traditionnellement, la tâche d'informatique allait avec le prof de sciences. Puis là, c'était plus une question de coordination, là, c'est-à-dire que le temps que le prof de français, qui était tout à fait compétente pour sigler ce cours-là, mais son temps d'appropriation des signes informatiques, c'est sûr que c'est une surcharge de travail. Là. Fait que ça a été un petit peu un frein, mais je pense toujours qu'il est possible de le faire. Là. C'est juste d'avoir une concertation. La même chose pour tous les sigles de Word en français, ça devrait pouvoir se faire. On a des enseignants en sciences aussi. Pour le cycle de nucléaire, ils doivent faire une recherche, ils doivent faire un texte d'opinion, que vous pouvez savoir. On a pu sigler l'ancien INF 5056 parce que les exigences étaient tellement faciles que, bref, c'était faisable. Puis avec les nouveaux cycles, je ne vois pas pourquoi ça ne se ferait pas. On a aussi une initiative à notre centre. En fait, on a eu un projet que c'est un Fab Lab, c'est-à-dire c'est un laboratoire de fabrication numérique. On a des imprimantes 3D et une découpe laser. Moi, l'an dernier, j'ai donné ce cours-là. En fait, je leur ai donné des unités pour le dessin 3D et pour le dessin vectoriel, ainsi que d'autres unités pour un projet, là, je pense que c'était du PER. Ça, c'était un autre exemple d'amalgame de projet-là. Et avec quel logiciel vous travaillez pour le 3D? SketchUp, c'est pas la... Ben, non, c'est pas le meilleur, mais c'est peut-être un des plus faciles à apprendre rapidement. Là. Maintenant, il en existe de plus en plus sur le web, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin d'installation. Là. Je pourrais vous faire une liste, là. Puis qui s'apprennent assez bien. Là, tout le domaine de l'impression 3D est vraiment en boom. Donc, il y a beaucoup de gens qui développent des outils assez faciles à utiliser parce que monsieur, madame, tout le monde maintenant peut s'imprimer des pièces. Ça serait bien hein, si on avait les... Ça, c'est le cours, c'est le 50-60... C'est lequel, ça, le 3D? 50-76. Puis...
dessin vectoriel, on prenait Inkscape qui est gratuit. Là. On va le plus possible pour des solutions gratuites parce qu'on se dit que dans leur vie tous les jours, ben, les élèves n'ont pas toujours les moyens de se payer ces logiciels-là qui sont assez coûteux d'habitude. Là. Puis, comme imprimante 3D, qu'est-ce que vous avez pris? C'était des. Voyons, j'ai un blanc. C'était des Tinkering DistoPro. Fait que ça, c'est tout dans les documents que vous allez nous partager? Ouais, je pourrais vous mettre un lien vers. J'ai développé un cours Moodle, en fait, qui probablement vous donnerait plus d'informations que de leur. Les recopier, là. Je ne sais pas si vous pourrez probablement vous pouvez avoir accès au Moodle FGA Montérégie. Ah oui, maintenant il est national, c'est vrai. Là, il y avait Daniel Jacques qui avait levé la main puis l'a rebaissé. Je vais donner la parole à Véronique. Oui, bien. Vas-y, Daniel, je reviendrai après. Non, vas-y. J'ai toujours un très long délai avant que mon micro accepte de diffuser ma voix. Moi, quand j'enseignais le français, je travaillais en collaboration avec les profs de maths. On avait développé des grilles d'évaluation, puis on faisait travailler français, maths et informatique selon les cours. Ça fonctionnait très bien. L'ennui qu'on a souvent vécu, c'est que ce n'est pas tous les profs en français qui acceptaient. Puis on a eu des batailles rangées parfois de dire ben, je ne suis pas un prof d'informatique, je suis pas assez par mon horaire, puis je ne vois pas pourquoi je ferais ça. Puis c'est une tâche additionnelle quand vient le temps de corriger. Pour l'avoir fait moi-même à l'époque, je ne trouvais pas que c'était si complexe. Mais bon, depuis que j'ai quitté, il ne se fait plus grand-chose dans ce sens-là. Mais si on avait des exemples de projets qui ont bien fonctionné, c'est sûr que moi, je mousserais ça à nouveau. Là. Et c'est gagnant pour les élèves. Ils font un cours, mais ils en font comme trois en même temps. Là. Donc, il me semble qu'ils s'économisent beaucoup puis que c'est encourageant pour eux d'accumuler des unités à deux places en même temps ou des fois même à trois. Mais c'est pas vendu d'avance. Là. Puis c'est pas parce que le prof est un prof de maths qu'il est nécessairement plus à l'aise non plus avec certains logiciels. Hein. On a tendance à le croire, on dirait, mais c'est pas le cas non plus. Moi, j'ai des profs de maths qui sont strictement papier-crayon, là, qui n'utilisent jamais rien d'autre. Mais il me semble qu'il y a là des gains importants à faire pour l'élève et je pense qu'en abordant les directions avec ce type d'enjeu-là, ne serait-ce que pour... assurer la persévérance des élèves, on aurait des gains à faire. Merci. Et Véronique? Oui, ben, c'était une petite question à Anthony. Là, je trouvais ça intéressant de savoir qu'il y avait un Fab Lab. Puis, je me demandais, ces cours-là qui ont été donnés en lien avec... dessin 3D, par exemple, tout ça, la motivation des adultes, ça dit quoi, hein? Est-ce que ça c'est vraiment quelque chose qui... Parce qu'ils s'inscrivent, j'imagine, parce qu'ils ont envie d'en apprendre davantage là-dessus. Ils ont un profil qui les amène à vouloir développer ces compétences-là. Oui, c'était assez motivant pour eux. Là. On a eu des petites cohortes l'an dernier, puis une autre cohorte cette année. C'est sûr que c'est beaucoup, en tout cas, mon expérience, ça a été beaucoup des élèves qui venaient de, en fait, qui ont pour hobby tout l'univers du jeu, là, et c'était quelque chose qui motivait beaucoup, là. Donc, ils voulaient, mettons, au début, ils allaient juste se trouver des modèles existants déjà de dessins 3D puis qui faisaient imprimer de personnages, par exemple, de jeux vidéo. Mais bon, évidemment, on avait des exigences de les faire utiliser le dessin 3D. Pour eux, mais une difficulté, c'est de faire des dessins très, avec des mesures exactes. Là, ils ont plus tendance à être éclatés puis vraiment créer sans prendre de mesures. À un moment donné, ils se rendent compte de la limite de ça. J'ai remarqué que dessin vectoriel, ils avaient plus de facilité rapidement avec ça. Par exemple, je leur demandais de retracer des dessins existants avec le logiciel de dessin vectoriel.
C'est ça. Puis, par exemple, en dessin 3D, SketchUp, ça a la limitation pour que si le dessin devient complexe, ça devient assez lourd et difficile à utiliser. Il faudrait soit avoir des ordinateurs assez puissants ou du moins peut-être utiliser dans le futur un logiciel qui est un peu moins demandant en carte vidéo. Là. Si je prends, c'est qu'en fait, SketchUp, je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec, là, c'est ceux qui sont familiers un peu avec le dessin 3D. Je dis toujours que SketchUp, c'est un faux logiciel de dessin 3D, c'est-à-dire que c'est comme des plans 2D assemblés ensemble pour faire quelque chose qui ressemble à du 3D, ce qui fait que ça fait beaucoup de polygones, donc beaucoup d'informations à gérer pour l'ordinateur, ce qui fait que ça devient lourd quand, je prends un exemple, si on fait une scène avec une maison, puis on met des arbres, on les télécharge sur Internet, ben tu mets quelques arbres, puis déjà, tu as de la misère à travailler avec ton modèle parce qu'il y a trop de polygones. Mais sinon, oui, les élèves étaient très intéressés. On a essayé un petit peu de travailler avec d'autres logiciels comme Blender. Là. Même moi, je n'étais pas familier. Puis on essayait de l'apprendre avec les élèves, mais là, la courbe d'apprentissage était un peu trop difficile. Fait que c'est pour ça que je conseillerais d'utiliser des logiciels plus simples à apprendre au départ. Là. Merci. Merci beaucoup. Cyril? Oui, je voulais revenir sur le fait que ça n'est pas gagné d'avance parce que je pense que c'est une réalité dans le sens où c'est vrai que ça soit un enseignant de mathématiques, ça ne le prédispose pas plus à utiliser Excel de façon intensive ou autre, mais c'est un peu le pari de ce genre de cours là, c'est d'amener de l'expertise dans les deux domaines, que ça soit en informatique pour les profs d'informatique ou en mathématiques pour les profs donc de mathématiques. Et donc c'est sûr, ce n'est pas évident, mais c'est un des objectifs finalement de ces cours-là, parce que personne ne peut nier le fait que d'utiliser un outil comme Excel ou d'autres outils comme GeoGebra amène les élèves à mieux comprendre les concepts de mathématiques, mais encore faut-il convaincre que c'est le cas. Et je pense que par des cours ou des initiatives de ce style-là, ben on va essayer de faire passer ce message, puis d'avoir des résultats. Donc, mais c'est sûr, ça n'est pas gagné d'avance. C'est vraiment clair. Merci. Véronique? Oui, ben juste, c'est ça, quand j'entends encore Cyril, puis c'est sûr que quand... C'est un idéal là, quand on est capable, ce que tu disais, tu sais, je le résumerais avec l'intégration, dans le fond, pédagogique des technologies. Là. C'est sûr que c'en est un bel exemple. Donc, les conseillers, les ressources récits régionales qui sont le savent. Là, c'est difficile là, d'arriver à amener cette plus-value-là pédagogique dans les disciplines. Puis, je pense que c'est des cours qui permettent, avec tous les savoirs qui sont déclinés, tout ça, avec un gros travail, là, mais d'arriver à toucher cette plus-value-là en contexte, en cours. Donc, voilà, juste une petite précision. Ouais, puis je vois un autre avantage aussi, parce que souvent, le frein ou la raison que les enseignants de mathématiques vont donner pour ne pas utiliser Excel, c'est qu'ils disent qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de le montrer à l'élève, ils n'ont pas le temps de l'intégrer dans leur cours, parce que l'élève est en train de faire son livre, puis... Bon, il ne veut pas quitter son livre, il faut aller à l'ordinateur avec Excel. À ce moment-là, quand c'est dans son cours d'informatique, ben, elle n'a plus de prétexte à ne pas l'utiliser. Donc, il y a aussi cet avantage-là. C'est même l'élève qui a des freins à quitter son livre pour aller faire Excel, mais là, il va pouvoir le faire parce que c'est dans le cadre d'un autre cours. Et Cyril?
Oui, puis en disant ça, tu me fais penser aussi à autre chose. Il y a un autre frein qui est le frein technologique, c'est-à-dire que l'élève qui est dans une classe de mathématiques à son bureau n'a peut-être pas un accès rapide à un ordinateur, un écran, une tablette qui lui permettrait, au moment où il en a besoin, sans faire un grand trajet ou d'aller à une heure précise, d'avoir accès tout de suite à Excel puis de faire l'activité qui est prévue. Donc, en le faisant dans le cadre d'un cours d'informatique, on s'assure quand même que c'est une période dans laquelle il a accès à un ordinateur pendant toute la période, puis il peut se concentrer dessus. Donc, c'est sûr que ce n'est pas l'idéal. L'idéal serait que tout de suite, pendant son étude en mathématiques, il puisse avoir accès à. Il puisse faire les activités qui sont prévues au niveau d'Excel. Mais bon, en fait, c'est un entre-deux où on s'assure quand même qu'il a accès à des outils durant un temps quand même un temps assez important. Donc, mais l'aspect matériel est quand même un frein aussi. Et ça implique les directions, ça implique de faire des choix pour rendre accessibles ces outils-là. Effectivement, ici. Là, il est déjà dépassé midi. Je sais qu'il y a d'autres points bon, j'ai mis les infos de Logitel là, par rapport à leur livre. On voulait parler de matériel, des ressources et tout, mais je pense qu'on va être obligé de laisser ça pour la prochaine rencontre. Donc, il restait une rencontre probablement en mai. Je n'ai pas encore déterminé la date, mais ça va sûrement rester à la même heure, donc de 11h à midi un lundi. Donc, je vous tiendrai au courant pour la prochaine date. Donc, on est obligé de terminer en ce moment-là la rencontre, étant donné qu'on a déjà dépassé midi. Je remercie beaucoup de votre participation. N'hésitez pas, le document est toujours ouvert. Donc, pensez à quelque chose où vous allez ajouter des points pour la prochaine rencontre. L'enregistrement va être disponible aussi là, si vous avez des collègues qui auraient voulu participer. Qui n'ont pas pu, donc l'enregistrement est disponible probablement d'ici une semaine. Donc, je vous remercie tout le monde, puis je vous souhaite une belle semaine. J'espère que vous allez être présents à la prochaine rencontre. Je vous tiendrai au courant là, pour la date.